Je vais vous raconter une très belle histoire. Une histoire qui commence tristement, mais qui est très belle et qui finira merveilleusement. Voilà. Les hommes n'étaient pas bons du tout. Ils étaient devenus très méchants, les uns contre les autres. Et le Seigneur a dit, je vais les laisser mourir, périr dans une grande catastrophe, puisqu'il en est ainsi. Mais j'ai un ami sur la terre, un ami qui s'appelle Noé. Celui-là, je vais le sauver, et la terre recommencera d'être belle avec toute sa famille. Alors il dit à Noé, il faut que tu construises un grand bateau, un très grand bateau où tu feras rentrer non seulement tes enfants, toute ta famille, mais aussi tous les animaux de la création dans ce grand bateau. Et là, ils pourront être sauvés des flots de la mer qui va monter, monter, monter jusqu'au sommet des montagnes et engloutir tout. Et vous voyez ces animaux, il y a, dans l'arche de Noé, il y a des bêtes sauvages et des animaux domestiques. Ils vont tous rentrer sur l'ordre de Noé et ils vont être sauvés des eaux. Et vous reconnaissez tous ces animaux-là, hein ? Il y a des lions, il y a aussi des girafes, il y a des panthères, il y a de tout petits, petits animaux. Il y a même aussi des oiseaux, comme on les voit dans le ciel, des pigeons, des colombes, des animaux dont on pourrait avoir peur, mais dans l'arche, ils sont tous très calmes et contents d'être sauvés. Et lorsque l'arche va s'arrêter, quand l'inondation sera terminée, ils reviendront sur la terre et ils la rempliront. Ah, c'est très amusant, hein ? Et ça veut dire que Dieu veut toujours sauver les hommes et sa création et tout ce qu'il a fait, car il les aime. Mais ce sont les hommes qui ne l'aiment pas toujours. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Dieu veut nous sauver. Il veut que nous soyons justes et bons avec lui. Par une belle journée d'été, nous allons chez M. Baduel, naturaliste, dans les environs d'Arpajon. S'il aime assez les bêtes pour vouloir prolonger leur existence en les momifiant à la façon des anciens Égyptiens, il offre aussi une large hospitalité à des animaux vivants dont certains ont été apprivoisés, tels cette cigogne. Ou cette chevrette, femelle du chevreuil. Ces canards de Barbarie. Ces pigeons et dames tortues si majestueuses.
Le naturaliste nous fait les honneurs de son laboratoire où il ne dédaigne pas, dans ses moments de loisir, de monter des automates, tel ce musicien, ce potier, ou de construire des maquettes de voiliers. Puis, nous assistons à la naturalisation d'un jet. Passionnante leçon de choses. Première approche, on va écarter les peaux, je vais l'inciser. Je prends un cutter, on peut travailler avec n'importe quoi, nous l'incisons sur le ventre, vous voyez, tranquillement, et on écarte les peaux. Et après, une fois qu'on a écarté les peaux, nous décuissons les... on démembre, si vous voulez. Ce qui veut dire, je prends une pince et je coupe mon membre. Après, je le tire délicatement, faire attention, pas travailler en force. Et on dénude la viande qui se trouve sur l'os. Et on reconstitue. Alors après, quand on va retourner la peau, nous passons des produits, ce qui veut dire de l'arsenic, à base de 50%. Base de 50%, nous passons de l'arsenic. Tout ça, c'est pour que les bêtes n'attaquent pas la peau. Et surtout qu'en séchant, ça ne pue pas. Bon, et on remonte. Alors délicatement, on prend un peu de fraisure, on prend de... Je n'ai pas d'ailleurs. Voilà. On a tout préparé, mais sauf le principal. Et on bourre dedans. Ce que nous mettons, mais... La fraisure, bon moi je travaille à la fraisure, mais on peut aussi travailler bien des choses, du coton. Maintenant nous reconstituons l'animal. Alors nous y avons passé une carcasse en fil de fer. Pourquoi une carcasse en fil de fer? Pour la bonne raison qu'il faut tenir les membres. Bon, là c'est le travail le plus délicat, enfin pour moi. Nous allons essayer d'enfiler la tige dans la pâte pour que le fil de fer ne se voit pas. Alors là, ça arrive souvent qu'il nous arrive des ennuis, qu'on se pique avec les fils de fer. Ou que les fils de fer passent très mal. Comme c'est le cas celui-ci, que c'est une bête qui est un peu sèche. Alors pour moi, là, c'est le grand problème. Après, le restant, bon, c'est que l'outil. Alors vous voyez, je pousse mon fil de fer. Voilà. Et qui va me faire à la hauteur de la cuisse, un peu plus haut. Vous allez comprendre après. Alors là... Alors ceci nous permet, vous comprenez, de mettre le membre rigide, comme le restant du corps. Parce que si nous ne mettons pas de fil de fer, ça ne sera pas rigide, ça sera un peu amasqué. La naturalisation, c'est comme une maison, il faut une sature. S'il n'y a pas de sature, comme on a tout démonté, eh bien, il n'y a rien qui tient. Alors, il faut toujours avoir des pinces. Oh, nous. Vous voyez, ça commence à prendre tournure. Et alors là, il va être bientôt prêt à recoudre. Alors là, l'histoire de coudre, vous voyez, c'est comme tout le monde, vous prenez un filet et une aiguille, et vous essayez de vous piquer. Hein? Alors on essaye de faire de la couture. Oh, on n'est pas petite main. Hein? Le problème, là, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce que non. Les points, même qu'ils ne soient pas bien serrés, avec la plume, une fois qu'elle se rabat dessus, ça ne se voit pas. Une fois qu'on a ramené les plumes dessus, la couture ne se voit plus. Vous voyez? C'est l'art du camouflage. C'est comme au théâtre. Vous voyez, le devant de la scène, quand vous êtes devant les décors, c'est très bien, mais il faut surtout pas voir les arrières. Hein. Vous voyez, c'est un jaco, un perroquet auvergnat, comme on appelle. Et là, maintenant, je vais jouer, vous voyez, avec la tige centrale. Vous voyez,
Alors je vais baisser la tête comme vous voulez. Vous voyez. Alors le fil de fer nous permet de jouer, vous voyez, pour le mettre soit à gauche, soit à droite, soit en bas, ou soit en l'air. Je lui donne la pose qu'il veut. Alors après, plus tard, nous allons mettre des yeux. Et là, ce sont, je travaille avec des yeux Nemo. Vous voyez, il a un échantillon. Alors voici les yeux que lui il va aller. Vous voyez que ça va changer tout à fait la face de notre individu. Et maintenant, partons à la découverte de l'arche de Noé de notre sympathique naturaliste. Alors, vous voyez les enfants, on a fait un escalier qui n'est pas très courant. On a voulu faire la création des animaux. Donc la création, en principe, on sort de la mer, ce qui veut dire de l'eau. Bon, vous reconnaissez les dauphins, les baleines, les morses, vous voyez, et tout en montant, nous allons découvrir la faune. Africain, vous voyez, oui. Les porcs, les ours, les élans, les girafes, voilà. Vous connaissez les personnages, tiens, le grand livre de la nature. Ah, oui. Les animaux, nous allons comprendre mieux ce que nous avons voulu vous représenter. Voici la montagne. Les animaux qui y vécurent, nous allons les retrouver dans le musée. Nous avons rentré dans une salle aussi qui est représentée une grande partie de la faune cantalienne, hein, et puis un peu autre part. Mais nous l'avons représenté dans son biotope, ce qui veut dire une partie de la montagne où c'est que les animaux sont adaptés avec. Après, en fond, un village de Nicotos de chez nous, typiquement de chez nous, vous voyez, le sous-bois avec une cascade en angle et où c'est que nous trouvons les animaux de la forêt. Oui, et cette petite bête cornue là, qui a des cornes. Une chèvre. Ah, c'est une chèvre. Est-ce que c'est une chèvre? Oui. Voilà. Et alors les toutes petites, là, les toutes petites, tu sais comment ça s'appelle? Des hermines. Des hermines, c'est ça? Ce sont des hermines. Et il n'y a pas des petites belettes? Si. Aussi. Ah, oui, ouais, ah, la petite belette, la plus petite. Voici dans la plaine, dont bientôt nous découvrirons la faune. Thank you.
C'est bien. Et puis, tu as vu le petit lapin, il sort de son terrier, il sort de sa maison. Hein? Elles te font pas peur, ces bêtes? Non. T'as pas un petit peu peur? Et celui-là, c'est un lièvre. Là, mais je vois là. Qu'est-ce que tu vois là? Là, un escargot. Un escargot encore. Et puis, il y a un crapaud. Qu'est-ce que tu as vu, toi? On voit des ânes. On voit des ânes? Ah oui, là-bas derrière. Un âne. Comment s'appelle celui qui a ce beau manteau, là? Bon, et comment? Il est toujours comme ça? Non. Comment ça se fait? La roue. Il fait la roue? T'as vu le petit lapin? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent. Ils dansent au son des tambourins. Oh, ils se marient ou ils dansent. Oui, alors ce sont des perdrix là. Hein, des perdrix. C'est bien. Et puis, tu as vu le renard. On voit le renard. Non. Une marque. Un marque. Ah. Elle regarde en l'air là. Comment s'appelle celui qui a ce beau manteau là? Quel est cet animal blanc là? Hein? C'est sur la branche. Comment? Une chouette. Ah, c'est une chouette? Ah, moi je ne sais pas, tu sais, je suis pas très fort. Et après, par derrière, il y en a d'autres là. Suzuki. On voit le renard? Oui. Où est-ce qu'il est? Là. On voit aussi des hiboux. On voit aussi des hiboux? Oui. Ah oui. Les plus verts? Ah, peut-être. Enfin, les rivières et la mer et toute la gent aquatique. Canardo, les poules d'eau, ah oui, les petites d'eau là, les petites poules d'eau noires, noires avec le bec rouge. Il y a des bécasses là. Oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut les chercher en sous-bois. En sous-bois, c'est ça. Dans leur biotope, vous les avez en bout de marée et en sous-bois. Oui, oui. Vous avez beaucoup de choses. Dans leur biotope. On voit un gros poisson. Ah oui, il est très gros. Il est très gros, ça s'appelle... Oh, ce gros là-bas! Qu'est-ce que c'est ce gros poisson? C'est une carpe. Eh bien, moi, j'en ai jamais vu vraiment comme ça. Une carpe, un brochet. Et puis, il y a des truites. Ah, une anguille, oh là là, oui. Il y a une tortue. Alors là, on est au bord de la mer. Hein? On n'est plus dans le Cantal, on est au bord de la mer. Et la mer... Alors, vous connaissez ce grand rocher, là, avec cette grande église dessus, avec ses fortifications. Nous avons présenté la mer par l'abbé du Mont-Saint-Michel. Pourquoi l'abbé du Mont-Saint-Michel? Parce que le château, parce que tout le monde le connaît. Oui. J'aime beaucoup les choses de la mer. T'aimes beaucoup les choses de la mer qu'on mange à la mer? Elle dit bien quelque chose. Ben c'est bien ça. Elle aime beaucoup les trucs de la mer, mais elle ne les mange pas. Elle ne les mange pas.
Et qu'est-ce que c'est ce truc orange? Orange, là-bas, oui, et bien justement, c'est un homard. Et ça, qu'est-ce que c'est, là-bas? Ça, c'est un... C'est une mouette qui nous conduit au large. Monsieur Baduel nous reçoit ensuite dans sa cuisine. Ancien forain, il a réussi ce tour de force d'y enclore sa caravane. Et tandis que nous nous désaltérons, nous évoquons encore cette magnifique découverte de la nature et la nécessité, pour l'avenir du monde, de la sauvegarder.